Paris, le 9 mars dernier. Si tous ces gens font la queue, c'est pour assouvir leur passion, celle des chaussures de sport. Ici, on vend, on achète, on échange. Des paires qui font rêver les passionnés, comme ce modèle directement inspiré des baskets magiques de Marty dans Retour vers le futur. Des paires tellement rares pour certaines que vous pouvez les trouver à 1 500 €. Et oui, 1 500 €. La sneaker, pour les initiés, c'est en tout cas bien plus qu'une mode. Il y en a pour tous les goûts. La France est le premier marché européen avec un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros. Et notre passion pour les sneakers, elle a plus de 20 ans. Souvenez-vous, cette musique. À l'époque, on voulait tous être comme Will Smith et jouer au basket avec des chaussures trop stylées. Le hip-hop, la NBA, les States, quoi. Tiens, c'est qui ce lapin à côté de Jordan? Mais derrière la passion, il y a parfois des arnaques. Des arnaques que connaît bien le fondateur du site Sneaker Addict. On lui a donc demandé quelles étaient les arnaques les plus répandues. Tout ce qui est contrefaçon assez bien imité. Donc tu as toutes les nouvelles contrefaçons chinoises en fait qui reproduisent pratiquement à l'identique les paires que tu peux trouver dans les magasins officiels Nike, Foot Locker, etc. Donc il faut avoir un œil vraiment assez averti pour faire la différence entre ces contrefaçons-là et ce que tu peux trouver dans le commerce. Et ça se joue sur des tout petits détails. Bon, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Alors, comment reconnaître la copie de l'original? Démonstration avec un passionné autour de deux modèles que s'arrachent les collectionneurs. Déjà, là, on voit que sur l'original, on a du vrai poil, entre guillemets. Là, c'est un vulgaire imprimé avec des taches. Là, on n'a pas le même nombre de perforations, des petits trous de perforations, ni la même taille. D'ailleurs, il y en a qui ne sont même pas entièrement perforés. Là, on voit qu'ils ont mis du cuir verni, ce qui n'est pas le cas ici. On a du cuir plastique. Le Jumpman, qui sur toutes les fosses quasiment est toujours rouge, alors que sur les dernières éditions, il est ton sur ton. Sur le dessus, là, ils ont mis de la toile, alors que là, on a du nubuck. Le tord très facilement, alors que celui-ci, voilà, il est beaucoup plus rigide. On le sent tout de suite au toucher. Je pense que la bulle d'air, c'est pas vraiment de l'air qu'il y a dedans. Enfin, on se demande ce que c'est, mais bon. Donc là, on n'est même plus dans du petit détail, là. On est dans des choses... Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment vulgaire, quoi. Voilà. On voit clairement que ça, c'est un enfant de 3 ans qui l'a faite. Alors que sur celle-ci, bon... Il a au moins 6 ans. Il a au moins... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est un petit peu plus vieux sur celle-là. Puis il y a différentes teintes, en fait. On a l'impression qu'ils ont fait des couches, une sous-couche. Oui, voilà, oui. Ou Posca, directement. Il y a au moins 3 couches, là. Avec ça, on voit que dépenser peut-être moins cher pour une paire fausse, c'est pas forcément une bonne affaire, quoi. Ah non, pas du tout. On n'a pas un produit original. Ouais. Et de deux, on a un produit qui va, au final, nous durer moins longtemps. Ah, complètement, oui. Et qui est beaucoup moins bien fini. Ouais. Et pour trouver ces grossières copies, pas besoin d'aller très loin. Nous sommes en région parisienne, et ici, tout est faux. C'est quoi les prix? C'est 50 euros. Ça coûte combien les Air Max? C'est des contrefaçons. C'est là. C'est le deuxième choix, ouais. Toi. Deuxième choix? Ouais. Ça veut dire quoi, deuxième choix? Deuxième choix, ça veut dire que tout est fabriqué à chez une première et deuxième. Enfin, il n'y a même pas de deuxième choix actuellement, on va dire. Ouais, c'est le nom officiel. C'est les mêmes boules, mais pas les mêmes matériaux, c'est ça? Le modèle, tu les prends, tu les mets, ils sont identiques, il n'y a pas de différence. Bon, on n'appelle pas ça contrefaçon, on appelle ça deuxième choix. Mais le résultat est le même, hein, c'est interdit. Il y a des boutiques qui se sont fait griller comme ça? Ouais, il y en a eu. Il y a eu beaucoup de cas. Il y a même eu des fermetures. Après, je ne pourrais pas citer de nom, mais ouais, ça a été jusqu'à la fermeture. Les marques ne rigolent pas avec ça. La contrefaçon de basket, évidemment, les grandes marques, elles rigolent pas avec ça. Non seulement c'est pas très bon pour leur image, mais en plus, ça les empêche de s'enrichir encore plus. On a coutume de dire que sur 10 marques de textiles, vêtements imités ou copiés dans le monde, 6 concernent des marques de sport. Les baskets sont l'un des produits les plus copiés, tout simplement parce que c'est très facilement recopiable et transportable. La plus grande saisie qui a eu lieu pour des chaussures de sport en contrefaçon, c'est quoi? J'ai en mémoire une saisie de plus d'un million de paires de baskets, 127 containers au port de Hambourg, ça, en 2006. Ce genre de saisie,
Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus les faire. 1 million de paires de baskets saisies, ah, ça fait rêver. Mais ça, c'était le bon vieux temps, car aujourd'hui, avec l'explosion des ventes sur Internet, les saisies sont plus difficiles à réaliser. Le nouveau fléau, le nouveau visage de la contrefaçon, c'est l'Internet. Si vous achetez sur Internet, sur un site officiel comme Nike, Foot Locker, etc., des grosses enseignes, en général, il n'y a aucun problème. Pareil, quand vous achetez en boutique, chez les officiels, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous achetez sur Internet, sur cheapjordan.com, vous avez peu de chances de trouver un bon produit, quoi. Bah oui, mais qu'est-ce que vous croyez aussi? Si vous dénichez sur Internet une paire de Nike Easy à 50 euros, soit 20 fois moins cher que sa cote actuelle, c'est soit que vous avez vraiment de la chance, soit que votre site est bidon. Parce qu'il y a des sites qui se sont spécialisés là-dedans, dans les fakes. Il y a des sites chinois, des sites sur la Jordan notamment, sur des modèles. Il y a des sites sur tout, c'est-à-dire que tu as des sites qui vont commencer par Nike Jordan, je dis n'importe quoi, et ils sont spécialisés dans la Jordan fake. Il y a même des sites qui s'appellent nikearmaxpascher.com, ils vont dans plein d'Air Max, mais si tu fouilles un peu dans le site, eh bien, ils vont trouver, ben, tu vas pouvoir trouver des New Balance, des ASICS, alors que le site s'appelle Nike Air Max. Donc là, juste ça, déjà, tu sais... Ça doit te faire percuter, même si tu n'y connais pas du tout. Et si vous doutez encore de l'importance du phénomène sneakers, sachez que de l'autre côté de l'Atlantique, on peut tuer pour une paire de sneakers. Littéralement. C'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui date des années 80-90. Il y a déjà eu les premiers morts liés à la sneaker. Donc des gens qui étaient shootés parce qu'ils avaient la paire. Et les gens les tuaient pour avoir les paires qu'ils avaient au pied, tout simplement. Récemment, c'était dans des camps pour des paires qui se vendaient le lendemain où c'est parti en vrille. Et il y a eu jusqu'à la mort d'homme. The streets, and they're already proving to be quite popular. We found some people who couldn't wait to get their hands on them today. They literally broke a door off the hinges. Several people were trampled, while others crawled over them to get inside. It was a few people that was on the ground. I jumped over them and kept running. You know, it's Michael Jordan. That's what he do. This was one of his most known shoes. 11 Concourse exclusive. Récemment, aux États-Unis, il y a eu à New York la sortie de la Foamposite Supreme, qui a tourné. Qui a tourné un petit peu au désastre, vu qu'il y avait, un peu plus de 600 personnes devant la boutique pour 200 paires. Et la police de New York a été obligée d'évacuer la rue et d'annuler le camp-out. Donc ça prend des proportions un peu folles parfois. There is no reason for you to be staying around.